celle du haut, c'est elle qui tourne, qui va servir à broyer le grain. On l'appelle la travaillante. Ça veut dire qu'en bas, on a une dormante. En haut, on a une travaillante. Et notre grain va être déposé entre les deux plaques. Est-ce que ça va être pour toi et moi 5 types de grains différents? C'est ça que ça veut dire. Ici, on avait blé, seigle, sarrasin, avoine, orge. 5 céréales. Des pierres dormantes. Vous en avez une ici, la petite type de grain qu'on veut. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là? Le meunier amène son convoyeur. Amène son convoyeur juste en dessous. On va le remplir de farine. Quand c'est plein, on tire la petite papille. Ça va monter ensuite en l'air des petits bonnets. Toujours actionner avec la force de l'eau. C'est comme le petit manège. Au lieu d'avoir des enfants qui font un manège, c'est la farine. Les farines montent ici. Et elle va tomber ensuite dans ce qu'on appelle un buco. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une idée de ce qui se cache derrière les 5 portes d'argent. Comme si les trous vont avoir une petite sac. Vous allez voir des petits trous au départ. Et plus on va avancer, plus les trous vont être gros. Bon, là, vous verrez pas la différence à l'unité. Quand on fait la farine, on voit bien la distribution ici. Si on a différentes grosseurs de trous, on va avoir différentes qualités de farine. La meilleure va tomber dans le numéro 1 ici. C'est la plus fine, la plus blanche, on appelle la plaque. Des vides de flower en même temps. De toute façon, au point de vue du grain, là, au point de vue de l'étalement. C'est tout ça. Est-ce qu'il y a des questions pour la division de la farine? Je vais juste à la farine ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les autres, vous l'avez, là, vous ne laissez pas tomber. C'est la nouvelle conversation. On ne peut pas laisser notre farine ici. On va ensuite la farine ici. Elle a dit ça de hier, on ne l'avait pas dit. On appelle ça. On appelle ça. Ils vont donner des coups. Ça va être à la farine de descendre. Moi qui avais ça en haut, mais pour que cette partie s'égale. Est-ce que vous pensez qu'il y avait quelqu'un qui tournait ça pour vous? Est-ce qu'il y a des questions pour la partie du bas? Bon, ok, on n'est pas les trucs. Oui. Quand le moyen ne fonctionne pas, l'eau arrive ici par la dalle qu'on avait avec le câble. Elle va tomber dans la trappe, puis elle descend à la rivière. Elle ne sort pas jusqu'à la grande. On sent que le moulin fonctionne.